Bonjour, nous sommes aujourd'hui à l'ESME rue de Fleurus pour accueillir Olivier Lascar pour un temps d'échange autour de son livre paru récemment, Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science. Olivier est diplômé de l'ESME promo 1999, donc ça nous fait vraiment plaisir de l'avoir avec nous à l'ESME pour le lancement de son livre. Et la thématique qu'il aborde dans son livre, évidemment, est proche des valeurs de l'ESME, puisque l'ESME forme des ingénieurs qui, demain, seront des ingénieurs qui vont transformer le monde. Quand on travaille dans un média comme Science et Avenir, Elon Musk, il fait partie du paysage. Mais il y a un moment donné, je me souviens très bien, c'était il y a une dizaine d'années, quand Elon Musk a fait son livre blanc sur l'Hyperloop. L'Hyperloop, c'est ce projet d'un train qui irait aussi vite que l'avion dans des tubes sous vide, il y a eu une sorte de déflagration internationale et Elon Musk, il est devenu autre chose que ce qu'il était. C'est-à-dire que précédemment, c'était un entrepreneur, c'était un acteur des GAFA, hein, pour résumer. Et là, c'est devenu une sorte de people, c'est-à-dire quelqu'un dont tout le monde avait entendu parler. Et à ce moment-là, je me suis dit, comme c'est un people, tout le monde a des fausses idées sur Elon Musk et il faudrait aller explorer ce qu'il fait réellement, quelle est la science derrière ses entreprises et ses réalisations, et c'est le thème de ce livre.